Stop, Vicky! Ça suffit! Moi, arrêtez, jamais! À plus tard, Minou Minou! Salut Tiger, comment puis-je t'aider? Ah, Johnny, Vicky m'a coincé dans la boue, je suis piégé. T'inquiète pas mon ami, je connais l'animacar parfait pour ce travail. Salut Bulldozer. Salut Johnny, qu'est-ce qui se passe? Tiger a besoin de toi. D'accord, je m'en occupe. Sur moi. Merci. Maintenant, on doit s'occuper de Vicky. Prépare-toi. Allez. Beau travail, mon pote. Merci. Je t'en prie. Mais nous avons besoin d'aide pour attraper Vicky. Salut, Tiger. Tout va bien? Nous avons du mal à attraper Vicky. Ne t'inquiète pas, activation du Power Up! Maintenant, il faut arrêter Vicky! Non! Je pense qu'elle va à la centrale électrique! Nous devons l'arrêter avant qu'elle ne l'atteigne! Vas-y, Tiger! Attrape-la! Tu n'y arriveras pas, animal loser! Maintenant, c'est mon tour. Dans le mille. Bien joué, Tiger. Je suis coincé. La boue ne semble plus aussi amusante. Pas vrai, Vicky? Oh, allez, prends ça. Vous allez payer pour ça, animafou.
parti. Il y a beaucoup de choses à voler. Salut Nora. Salut Johnny. Le dinosaure s'est évadé de prison. Regarde. Et je pense que c'est parce que Vicky l'a aidé. Très bien. Je vais envoyer Tiger pour enquêter. Salut Johnny. Quel est le problème à Animatown? Salut Tiger. Le dinosaure s'est évadé de prison. Est-ce que tu peux enquêter sur place? Bien sûr. Je m'en occupe. Vicky. Qu'est-ce que tu fais ici? N'est-ce pas évident? Je suis là pour arrêter le dinosaure que tu as fait évader de prison. Et je t'arrêterai aussi pour avoir volé de la glace. Et comment comptes-tu faire ça? Je te rappelle que nous sommes deux contre un. Camion T-Rex, attrape-le! Oui! Oui! Surprise! Waouh! Je ne m'attendais pas à ça! Ça va être très amusant! Ouh! Ouh! Et un à terre. Nous avons passé un bon moment, chaton, mais il faut savoir dire au revoir. Au revoir. Désolé, camion T-Rex. Je reviens dans un instant. Vicky, tu ne peux pas échapper à la justice. Et si tu te contentais du camion dinosaure et que tu me laissais partir libre cette fois? Jamais. Eh bien d'accord, tu l'auras cherché. Ah! Oh non, pas maintenant. Oh. À plus tard, petit minou. Il est temps de déguster cette délicieuse glace. Si je ne fais rien maintenant, elle va arriver à s'enfuir. Salut Tiger, est-ce que tout va bien? Johnny, j'ai besoin de ton aide. Vicky a volé toute la glace de Cathy, mais je suis restée coincée dans la boue et je ne peux pas me libérer. Bien reçu, tu as besoin d'amis sous tension. Dans une seconde. Oh non, encore lui. Je ne peux vraiment pas le laisser m'attraper. Oh!
en état d'arrestation, Vicky. Tu ne pouvais vraiment pas rester à l'écart, hein? Arrête, c'est inutile. Voler, c'est mal, Vicky. Espérons que tu la prennes cette fois. Rien de tel qu'un bon entraînement. Oh, déjà fatigué, Tiger? Allez, faisons un tour de plus. N'exagère pas, Traco. Nous avons besoin de nous reposer. Je sais ce que je fais. Salut Traco, est-ce que tout va bien? Johnny, on s'entraînait et on a eu un accident. Nous avons besoin d'aide. Ne t'inquiète pas, je sais exactement qui appeler pour ça. Salut Jenny. Bulldozer, la brigade a besoin de toi. Bien sûr, aucun problème. Ne t'inquiète pas, j'ai compris Johnny. Je prends un jour de congé et ils deviennent tous fous. Ah, les gars? Bulldozer, à l'aide, s'il te plaît! Traco a provoqué un glissement de terrain et maintenant nous sommes piégés. Je pense qu'il a oublié de dire de manière accidentelle. Tu y es presque, Bulldozer. Tout le monde va bien? C'est quoi ce qu'on entend? Allez! Oh non! Mon coffre est cassé! Ah! Nous sommes coincés! Ne vous inquiétez pas, les gars! Je vais vous sortir de là! Ouais! Vas-y, Traco! Oh non! Pas encore! Comment allons-nous sortir maintenant? Je sais quoi faire! Salut Tiger, tout va bien? Johnny, nous sommes tous coincés dans le slime! J'ai besoin de ton aide pour nous libérer! Bien reçu, Tiger! Activation du Power Up!
beaucoup mieux. Allez, c'est parti. Ah. Oh. Vas-y, mon pote. Jette d'abord Bulldozer pour qu'il puisse aider Draco. Oui, excellent travail, Tiger. Il est temps de les sortir de là. Hein? Encore un tout petit peu. Viens, Bulldozer. Finalement, tout le monde va bien. C'était une séance d'entraînement très intéressante. Hein? Ce n'était pas moi. Bonjour, bonjour, bonjour. Au revoir. Nous avons une urgence à gérer. Il n'y a rien que nous puissions faire, Joe. La route est complètement bloquée. Cathy était vraiment inquiète quand elle a appelé. Ed doit être vraiment malade. Je vais demander de l'aide, Bulenz. Ici Johnny, comment puis-je t'aider? Johnny, c'est Joe. Bulenz et moi étions sur un appel d'urgence. Mais la route est bloquée. Nous avons besoin d'aide. Bien reçu, Joe. L'équipe de secours est en route. Bonjour, chef. Quelle est la situation? Tiger, Bulldozer, vous devez dégager la route de la ville pour que Bulenz et Joe puissent répondre à un appel d'urgence. Très bien, Johnny. Nous serons là dans un instant. Allons-y! Joe, l'équipe de secours est là. Oui, nous sommes sauvés. Ça ne va pas être une promenade dans le parc. Bulldozer, tu penses que tu vas pouvoir soulever tous ces tuyaux tout seul? Bien sûr, il n'y a rien que le taureau ne puisse tirer. Super, voici le plan. Tu soulèves les tuyaux et tu les écartes du chemin. Et ensuite, je vais dégager la circulation pour que Joe et Bulenz puissent se rendre au restaurant de Cathy. Qu'en penses-tu? Ça me semble bien. Ok, alors on s'y met, mon grand. C'était très impressionnant. Ces petits tuyaux, c'est vraiment rien, Bulenz. Ok, à mon tour. Allez, les amis, je vais vous dégager la circulation. Allons-y! Attendez, je viens aussi. Libérez le passage, les secours arrivent! Génial, Bulenz. On sera au restaurant de Cathy en un rien de temps. Rhinotrax, écarte-toi. Il faut qu'on passe. Très bien, Tiger. Attends, mets-toi sur le côté. Le feu va devenir rouge. Hein? Quoi? Allons-y! Oh non, ils ont pas l'air bien. Je vais aller les voir. Oh, ils vont s'en sortir tous les deux, mais nous devons les emmener à l'hôpital. Bulenz, il faut que tu ailles tout de suite au restaurant de Cathy pour voir comment va Ed. Et je vais m'occuper d'eux. Ok, Joe, j'y vais de ce pas. Oh, un appel de Cathy? Qu'est-ce qui se passe, Cathy? Joe, où es-tu? Ed va de plus en plus mal. On a besoin de toi tout de suite. Oh non!
Ted, arrête! Je dois te laisser, Joe. Elle essaie encore de se baigner dans la crème glacée. Mais que va-t-on faire? Ne t'inquiète pas, Joe. J'ai un plan. Bulldozer, tu dois aider Joe à emmener Rhinotrox et Démolizar à l'hôpital. Très bien, Tiger. Et pour Ed, Boulens doit se rendre très rapidement au restaurant. Laisse-moi faire, Joe. Je dois juste passer un coup de fil. Salut, Tiger. Comment se passe la mission? Johnny, j'ai besoin de ton aide. Ed se sent de plus en plus mal et Boulens doit aller au restaurant rapidement. Ok, mon ami, je vais te donner un coup de pouce. Turbo et monstrueuse roue, c'est beaucoup mieux. Tiens bon, Boulens, et tente de ne pas vomir. Quoi? C'est parti! Waouh, ça a l'air amusant. Quel frimeur! Alors, comment tu te sens, Boulens? Ça va. Non! Ne t'inquiète pas, Boulens, on y est presque. Je n'arrive toujours pas à croire qu'il ait mangé 20 glaces d'affilée. Ne t'inquiète pas, Cathy, Ed va s'en sortir. Quel soulagement! Merci beaucoup, Boulens. Bonne nouvelle, les amis. Je viens de parler à Bulldozer. Démolizar et Rhinotrax vont très bien. C'est super, Tiger. Maintenant, amenons Ed à l'hôpital pour que Joe puisse s'occuper de lui aussi. Repose-toi bien, Ed, et sache qu'une délicieuse glace t'attendra à ton retour. Je pense qu'il ne mangera pas de glace pendant un bon moment, Cathy. Merci pour ton aide, Bulldozer. De rien, mon ami. Tu vas devoir m'excuser, mon ami. Tu as fait super vite. Oh! Attends, qu'est-ce que tu fais? Ici Johnny, comment puis-je t'aider? Johnny, c'est Bob. Bulldozer a semé le bazar. J'ai besoin de ton aide. Bulldozer? Mais c'est pas possible. Je l'ai vu de mes propres yeux. Ne t'inquiète pas, nous allons régler ça. Salut, Johnny. Tiger, Bob dit que Bulldozer provoque le chaos. Tu peux enquêter sur cette affaire? Mais bien sûr. Waouh! Quelle pagaille! Oh non! Il revient! Ouf! J'avais besoin de ça! Hé! Hey, qu'est-ce qui se passe? Bulldozer, tu es en état d'arrestation pour démolition sur site de construction! Mais je reviens juste des toilettes! Hein? Tu fais une erreur, Tiger! Je suis vraiment désolé, Bulldozer, mais j'ai une autre urgence à régler. Hey, toi! Qu'est-ce que t'es en train de faire? Oh, j'ai un jumeau maléfique! C'est pour ça que tout le monde m'accuse. Au secours!
horrible. Je dois l'arrêter. Arrête-toi, Bulldozer! Comment t'es-tu échappé de la prison? Eh bien, je l'ai cassé. Attends, deux bulldozers? En effet, ce faux a tout détruit et m'a fait porter le chapeau. En avant, Tiger! Il est en train de s'échapper! Je sais ce qu'il faut faire. Salut, Tiger! Tu as réussi à arrêter Bulldozer? Je t'expliquerai plus tard. J'ai besoin d'aide maintenant! Sur moi! Activation du power-up! Ouais! C'est mieux comme ça! Voici le plan! Tu commences à jeter des choses à ton jumeau maléfique pour le ralentir, et je m'occupe du reste! Est-ce que je t'ai manqué? Fais attention à ne pas t'écraser! Tiger, maintenant! Dans le mille! On a finalement attrapé le vrai coupable. Je suis vraiment désolé. J'aurais dû te faire confiance. Ne t'inquiète pas pour ça. Mais ne le quitte surtout pas des yeux. Si j'ai réussi à m'échapper, lui aussi peut le faire. Hein? Et 10 victoires d'affilée. Tiger 10, Tracodile 0. Allez, Tiger, on recommence la course. On recommencera demain. Maintenant, il est temps de dormir. Demain, je serai prêt alors. Il faut que je le batte. Crocodile, on a un problème urgent. Vicky fait encore des ravages dans la ville et j'ai besoin que tu y ailles. Maintenant. Oui, oui. Tout est clair, Johnny. Tu es sûr, mon ami? Tu as l'air très fatigué. Oh, ça promet rien de bon. Non, c'est Vicky. Joe. On dirait que quelqu'un n'a pas assez dormi la nuit dernière. Ça va te réveiller. Tu vas voir. Je suis de ton côté, Draco. Désolé, je ne raterai plus jamais mon coup. Je suis tellement fatigué. Mais qu'est-ce qui te prend? Bon, eh bien, ça devient ennuyeux. Je m'en vais. Tu ne t'échapperas pas. Non, 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 non. Mais enfin.
Enfin, c'est quoi ton problème? T'as failli me heurter. Je suis désolé, Poogie. Je ne voulais pas faire ça. Oh. Crocodile, t'as réussi à arrêter Vicky? Eh bien, pas exactement. Qu'est-ce que ça veut dire, pas exactement? Je n'ai pas dormi cette nuit et je n'ai pas pu le faire. Je suis désolé, Johnny, mais peux-tu m'envoyer quelqu'un pour m'aider? D'accord, mais j'espère que tu as retenu la leçon. Salut, Johnny. Tiger, Crocodile a des problèmes avec Vicky. Tu peux l'aider? D'accord, patron. Il n'était pas en forme aujourd'hui. J'ai de la chance. Eh bien, ta chance va tourner. Oh, regardez ça. Le chaton vient de rejoindre la fête. Donne-moi un coup de main, Traco. Oh, tu sais quoi? Oublie ce que je t'ai demandé. Je vais m'occuper de ça tout seul. Ah, ok, mon pote. À mon tour, maintenant. Ah, allez, c'est pas juste. Mission accomplie. Vous allez payer pour ça, Animafou. Vous verrez. On en a fini ici, Traco. Alors, prêt pour la deuxième manche de notre course? Oh! Rien de mieux qu'une bonne glace en été. Fais juste attention à ne pas te geler le cerveau, Ed. Ouais! Oh! Quelqu'un a dit gelé? La méchante Vicky, ça présage rien de bon. Tu dis que je suis méchante. Je vais te montrer ce que c'est d'être méchant. J'aime ma ville comme j'aime mes crèmes glacées. On a besoin d'aide. Ici Johnny, comment puis-je t'aider? Johnny, c'est Cathy. Vicky vient de geler la ville entière avec une machine bizarre. On a besoin de l'équipe d'Anima. Ne t'inquiète pas, Cathy. Je m'en occupe. Salut, Johnny. Bonjour, Johnny. Crocodile, Bulldozer, Vicky fait à nouveau des ravages dans le centre-ville. Vous devez l'arrêter. D'accord, mon Johnny. Laisse-nous faire. Déjà fatigué, rien qu'à déblayer toute cette neige. Effectivement, Vicky a vraiment changé le temps. Mes crocs sont tout gelés. On dirait que je t'ai finalement attrapé, pas vrai? Et ce sera la dernière fois. Ne serait-ce pas les animaux losers? Vous n'aimez pas ce que j'ai fait de cet endroit? Tu ne t'en sortiras pas comme ça, Vicky. Hein? Qu'est-ce qui se passe, petit lézard? Tu n'aimes pas le froid? Allez, c'est pas drôle si tu bouges. Crocodile, non. Ha ha ha!
Tu es à moi. Oh, la machine l'a gelée. Je suis sauvé. Oh non, Draco. Oh, c'est un désastre. Non, non, non. J'ai besoin de me protéger et d'éteindre ce truc. Je dois appeler Johnny. Bulldozer, comment se passe la mission? On est en danger, Johnny. Dracodile est gelé et je suis le suivant. J'ai besoin d'aide. N'en dis pas plus. Activation du Power Up. Un bouclier. Parfait. C'est parti. Je vois. Plus je me rapproche, plus il me frappe fort. Allez, j'y suis presque. C'est maintenant ou jamais. Ouais, nous avons gagné. Ma belle et magnifique création. Qu'est-ce que vous avez fait, Anima Monstre? Mais il nous a piégés dans la glace. Eh bien, personne n'est parfait, c'est pas vrai? Allez, laisse-moi sortir. Qu'est-ce qu'il y a de mal à voler de la glace après tout? Pleure autant que tu veux, Vicky. Je te surveille pendant que Tiger se repose et je te laisserai pas sortir. C'est ce qu'on va voir. Aide-moi, il y a une araignée dans ma cellule. Une araignée? Ne t'inquiète pas, je vais l'attraper. Je la vois nulle part. Tu es tombé dans mon piège, Anima Fou. Hey, laisse-moi sortir. Tu auras tout le temps de trouver cette araignée maintenant. J'ai besoin d'aide. Ici Johnny, comment puis-je t'aider? Johnny, c'est Willy Fund. Vicky m'a piégé en prison et s'est échappé. Tu peux m'aider à en sortir? Ne t'inquiète pas, on va te sortir de là. Salut Johnny. Tiger, Dracodile, Vicky s'est échappé de prison et a piégé Willy Fund à l'intérieur. Dracodile, tu vas libérer Willy Fund pendant que Tiger attrape Vicky. Ah, je n'ai pas encore réussi à dormir, mais je vais faire de mon mieux. Laisse-nous faire, Johnny. Ça ne peut être que Vicky. Elle a dû passer par là. Oh, je suis si fatigué. Je n'ai pas dormi du tout. Oh, ça n'a pas d'importance. Je dois sauver la ville. Dracodile, tu es enfin là. Ne t'inquiète pas, mon pote. Je vais te sortir de là en un clin d'œil. Qui va pas avec ce truc? Vicky a tiré dessus avant de s'enfuir. Ça rend les choses plus difficiles. Mais ne t'inquiète pas, je vais trouver un moyen. Oh.
fonctionné et nous n'avons toujours pas de nouvelles de Tiger. Je ne voulais pas faire ça, mais ces barres ne me laissent pas le choix. Attends-nous, Tiger. C'est l'heure du déjeuner. Oh. Laisse-moi tranquille, Anima Bozo. Je n'arrive pas à la suivre. Je suis trop fatigué. Bye bye, mon ami. J'ai besoin d'aide si je veux l'attraper. Tiger, comment se passe la mission? Johnny, je n'arrive pas à suivre le rythme de Vicky. Je suis si fatiguée et elle est si rapide. J'ai besoin d'aide. Je sais ce qu'il te faudrait, Tiger. Activation du Power Head. C'est beaucoup mieux. Encore toi? Rentre chez toi et fais une sieste. Je ne me reposerai pas tant que tu ne seras pas derrière les barreaux. Bien essayé, Animafou, mais tu ne m'attraperas jamais. Oh oh. Ne jamais dire jamais, mon ami. Tu disais que je ne t'attraperai jamais, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas juste. Merci, les amis. Je suis content que vous ayez réussi à sortir Will et Fan de la prison. Ouais, nous avons dû utiliser des méthodes alternatives. Tu as mangé les barres? Je suppose que ça veut dire que je ne peux pas y rester, pas vrai? Cela signifie que nous devons tous les trois te surveiller. Comment ça, trois? Hein? Vous allez payer pour ça, Animafou. Vous allez voir. Allez-y, mes puissantes bêtes. Animatown est sur le point d'être à nous. Maintenant, rien ne se dressera entre moi et toute cette crème glacée. Jamais, espèce de glouton! Salut, Cathy, comment puis-je t'aider? À l'aide, Johnny! Vicky est de retour et elle a deux camions T-Rex avec elle! T'inquiète pas, Cathy, les secours sont en route! Salut, Johnny! Salut, les amis! Vous devez aller au restaurant de Cathy et arrêter Vicky et ses dinosaures! Attends, tu as dit dinosaures? On va s'en occuper, Johnny! Non! Regarde là-bas! Ennemi, moi, attaqué! Va les chercher, bébé! Oh non! Cours! Quelle bande de losers! Bulldozer, ça ne me dit rien qui vaille. Effectivement. Ils sont trop forts. Comment allons-nous les vaincre? Peut-être que nous n'avons pas à les vaincre. Est-ce que tu deviens fou? Qu'est-ce que tu veux dire? Et si on les faisait se battre entre eux? Hein? Cette petite fille
a dû cacher toute la glace. Continue à chercher. Moi, chercher, chercher. Ah, mais qu'est-ce que tu fais, anima fou? Moi? Rien du tout? Hein? Il est en train d'attaquer Vicky. On a besoin d'aide. Salut Tiger. Johnny, dépêche-toi. Je dois arrêter cet affreux camion T-Rex. Bien reçu. Activation du Power Up. Je suis prêt. Ah ah. Oh, c'était tout juste, Vicky. J'avais tout sous mon contrôle. Bien joué, Tiger. Mais maintenant, on fait quoi? Eh bien, mon dino est presque indestructible. Mais il y a un petit problème. Attends, quoi? Oh. Mais oui, sa queue! Tu dois attraper sa queue! Hey, toi! Viens me chercher, petit dino! Il est temps d'arrêter ce chaos! Il ne peut plus se retourner! Le lâche pas! Oui! On a réussi! Où est-ce que tu crois aller comme ça, Vicky? Non, pas nettoyer la ville à nouveau. Je suis un génie et Anima Town est sur le point d'être à moi. Oh, mais qu'est-ce qui se passe ici? Un zombie de plus pour mon armée. Tu vas bien? Quoi? Bien sûr qu'elle va bien! Bouge, ma créature! Bonjour, Boulens, comment puis-je t'aider? Vicky est en train de créer une armée de zombies! Elle est en train de convertir tous les humains! Oh non, ne t'inquiète pas, les secours arrivent! Nous avons une situation d'urgence. Vous devez arrêter immédiatement la méchante Vicky. D'accord, on s'en charge. Où il va comme ça? Je n'en ai aucune idée. Tout le monde à la centrale électrique! Ces animaux losers n'auront plus d'énergie. Oh non! C'est donc ça son plan diabolique! Nous devons l'arrêter et vite! Imbécile!
Ah, les animafous sont là. Capturez-les. Fais attention, Draco. Ne te blesse pas. Enlève-le. Enlève-le. Allez, Dracodile, allons chercher Vicky. Ne vous inquiétez pas pour eux, continuez à travailler. Nous devons trouver un moyen d'arrêter Vicky sans blesser les humains. Je ferais mieux d'appeler Johnny. Salut, Dracodile. Johnny, dépêche-toi. J'ai besoin d'aide pour arrêter cette horrible Vicky. Bien reçu. Activation du Power Up. Maintenant, on ne plaisante plus. Allez, mon ami, je vais essayer de les distraire pendant que tu vas chercher l'arme. D'accord. Salut, petite vilaine. Tu veux jouer, petit taureau? Zombie, attrapez-le. Maintenant, c'est à mon tour. Tu ne mourras jamais, stupide lézard. Bien joué, bulldozer. Quoi? Wow, c'est moi qui ai fait ça. Que s'est-il passé? Mon plan diabolique. Comment osez-vous, anima vilain? Je suppose que je vais devoir nettoyer la ville. Encore. Fais quelque chose, Ed. Tu m'as dit que tu savais faire voler une montgolfière. Désolée, je t'ai menti, Léa. Je sais pas comment faire voler ce truc. Quoi? Je suis juste un cool et beau frimeur. On va s'écraser contre ce rocher. Ouf, c'était tout juste. Mais nous avons un autre problème maintenant. Nous sommes bloqués. Oh non, je suis trop géniale pour m'échouer sur un rocher pourri. Ne t'inquiète pas, Ed. Je sais qui peut nous sortir de là. Salut, Léa. Ici Johnny. Prêt à t'aider. Johnny, on a besoin de toi. Ed et moi étions en train de voler en montgolfière et nous nous sommes échoués sur un rocher dans le désert. Voler avec un vent comme ça? Mais vous êtes fous. Oui, je sais bien, ok. Ne vous inquiétez pas. Je sais exactement qui je peux appeler. Bonjour, Johnny. Oui, Elephant. Ed et Léa sont bloqués dans le désert. Tu dois y aller maintenant. Défense et roue prête. J'arrive tout de suite. Beaucoup trop haut. J'arrive pas à l'attraper, Willifant. Je suis trop petit. Mais j'ai peut-être une idée. P-
Parfait. On y va, les amis. Ah, tu es incroyable, Will Effend. Allez, Ed. Tu vas aller en premier pendant que je tiens l'échelle, d'accord? C'est vrai. Merci, Léa. Enfin en sécurité. Merci, Will Effend. Avec plaisir. À ton tour, Léa. Ok. Mon chapeau. La montgolfière se dirige directement vers la falaise. Nous devons appeler Johnny à l'aide. Johnny, il y a urgence. Le vent a fait s'envoler le ballon à nouveau et Léa est piégée dedans. Nous devons la sauver. Je m'en occupe, mon grand. Ok, nous avons besoin d'un peu d'aide venant du ciel. Léa est en danger, Batfly. Tu dois aller dans le désert maintenant. Non, dis pas plus. Si les choses vont mal, appelle la chauve-souris Batfly. Allez, Batfly, tu peux le faire. Hé, hey, jeune fille, tu fais un tour? Batfly, pas de temps pour dire bonjour. Saute sur mon dos et partons d'ici. Bien joué. Oh, attention. Oh, ah. Désolée, c'était vraiment tout juste. Merci, Batfly, tu m'as sauvée. Maintenant, on va te ramener au sol. Bien joué, l'équipe. Vous avez sauvé la journée une fois de plus. Animatim, à la rescousse. Léa, est-ce que tu vas bien? Oui, et même pas une égratignure. Ouf, quel soulagement. Oh non! Qu'est-ce qu'il y a? Ça va me prendre des années pour réparer ça. Eh bien, tu pourrais peut-être apprendre d'abord à la conduire. Oh, oh.